bajina bi jolga jolu jal kaza jolu jo kaza jolu jal kaza jolu jo kaza kaza man sayo ya juk be juk banu juk wonu mus juk kaza man sayo yo e kaza di monsa et amie di komonsa kaza man sayo ya juk be juk banu juk wonu mus juk kaza man sayo katu ngiri rego ni mbara ni ko irwa utolla jang irwa Sukusanu manko yo kaza mansa jakum pukanu babe koilo boli massa son ruska kanu yo injeni keti mansa jolu juke sugum banu mir wali ku mansa uno kello jakem banu juk ube kellaw ku manga tep uli babe baju tellaw rifum men tep mante fari fulla mayla jabar mayla keur chez nous ça vient du cœur nu wa kaza lu ñu sa moy deranga ko monte joge bo yek se ñu terala wali ko bu ñaye Mansayo ya juk be juk banu juk wonu mus juk kaza mansayo yo e kaza di mansa et amie di komansa kaza mansayo ya juk be juk banu juk wonu mus juk kaza mas ko ka tu ngini rego ni mbara ni ko irwa utolla jang irwa bi jang tolu jal ma her mun ya kori lo bul jawam muni jume ya fi nyam banu mir mere nyam nyam kuri banu baga ni Fulanu paka uzonde palmier Jiragon kaluna ifonyi bulumbe kasa Ici on chasse les animaux par catégorie Things si compassas, le tujuk atego Et là, est beaucoup plus large par rapport à ça Parce que là, c'est un liquide C'est pour cela, c'est ça qui va permettre de donner un peu la pression après Ok Maintenant, si c'est des poudreuses, là, ils vont changer de tuyau À partir de là C'est la poudre ici Et la pression, ça, quand ça va aller Ça va changer ici. Même ça là, le tuyau là, ça va changer. Et là, ça va diffuser la poudre. Ok? Mm-hmm. Donc c'est à partir de là qu'on fait les échanges. On met quel type de tuyau? Hein? La même chose. Non, les tuyaux ne seront pas parce que là, c'est très petit pour les poudreuses. Ok? Yavi, tu fais un montage. Dans le nom, vous devez avoir une pince. La pince, vous allez prendre par là et vous tirez pour que ça entre. Dans le nom, il devait avoir aussi des éléments de castration comme cela, mais de tout petit pour castrer ici. Parce qu'il peut avoir une forte pression, là ça peut s'enlever. Si ça s'enlève, ça va vous intoxiquer forcément avant que vous arrêtiez le moteur. Obligatoire. Donc là, il va falloir que, après maintenant, quand vous allez y retourner, pensez à ce que les jeunes humains là, les petits qui vont commander les cylindres là, pour essayer maintenant de fixer pour tous ces éléments-là. Au début, ça peut prendre. Mais au fur et à mesure, si ça, l'élastique commence à terminer, vous ne le fixez pas, ça peut se lever. Il n'y a pas de pince. Et là, pour le faire entrer, rendre le temps. Vous accélérez ça, ça va augmenter la lance à 5 mètres. En fonction de ça qu'on peut jouer, la distance de la lance. Si je diminue ça, j'aurai des gouttes qui sont beaucoup plus importantes, mais ça ne va pas beaucoup éparpiller le produit. Mais si j'accélère ça, vous allez voir, à force que j'accélère le moteur, j'ai vu les brouillards que ça donne. Ok? J'ai vu les jets que ça donne. Regardez les jets que ça donne. Là, je perds beaucoup énormément de produit. C'est bon? Voilà. Ici on chasse les animaux par catégorie. Ici on passe le doudou à tes gorilles. Ici on s'y procasse, bachamout à tes gorilles. Bolien, boli, barigné, tout bao bao. Colien, coli, gionné, dans tout bao bao. Bolien, boli, les bis nous passent tout au bao bao. Kaza mansayo, ya tchoukou de tchou. Bano tchou, bano tchou, bano tchou. Kaza mansayo. Kaza mansayo, ya tutu becho, wanu juk, wanu musuju. Kaza mansu katu, ngiri rego ni mbara, ningu iwa, utolla jang iwa. Kaza mansu nangu kaje. Jilew, 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 jigoron, jigoron, jigoron. Heba, uja.
verser 15 litres, n'est-ce pas? On a pris exemple. 15 litres multiplié par la superficie à traiter, je t'ai traité 1 demi-hectare. Divisé par 5 mètres carrés, divisé par 250 mètres carrés. Ok? Et là, ça va partir. Ça me donnera la quantité de produit égale à 300 litres. Donc mes 300 litres, je vais les mélanger avec 0,75 litres. Et là, ça me permettra, comment dirais-je, de savoir la, le produit, cette quantité-là, je vais le mélanger à combien de litres pour traiter tout. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent avoir un fil, ils mélangent le produit une bonne fois, à partir de là maintenant, ils remplissent le pulvérisateur pour traiter. D'autres pour préférer aussi de calculer la quantité d'eau par pulvérisateur, ou bien le produit par pulvérisateur. Si c'est par exemple 0,75 litres que je dois traiter, mais 1 demi-hectare, mais 5 mètres carrés, je peux être 0,75 litres divisé par la quantité de mon pulvérisateur sera de 16 litres, ou bien de mon pulvérisateur sera de 16 litres, et j'aurai chaque pulvérisateur, j'aurai combien de litres? Si c'est, voilà, même si ça peut dire 1000 litres, parce que là, ce serait en litres. Après, maintenant, vous allez convertir en 1000 litres. Directement avec les atomiseurs. Ce soir, nous sommes là aussi pour essayer d'apprendre un peu, d'avoir une formation un peu sur les motoculteurs. Donc, un technicien doit pouvoir être polyvalent. C'est pour cela que quand nous revenons, on a d'abord monté les roucages, parce que c'était des pneus qui étaient là. Et ces pneus ne sont pas adaptés dans les vallées profondes. C'est pour cela qu'on les a changés avec des roucages qui vont s'adapter avec les vallées profondes. Donc, ce qui fait que maintenant, comme on a déjà monté les roucages maintenant, on doit aller faire traiter les roucages avec la vallée profonde au niveau de là où il y a de l'eau pour essayer de voir si ces roucages-là vont s'adapter au niveau de la vallée ou pas. Mais d'habitude, pour les vallées profondes, on utilise des roucages. C'est pour cela que vous les avez vus, ils sont tous là. On va aller pratiquer dans de l'eau et comme ça, chacun d'eux va pouvoir essayer d'apprendre comment manipuler le motoculteur, comment conduire en fait et comment labourer dans les vallées profondes. Remercier l'INSERS de m'avoir fait confiance aussi de m'envoyer des étudiants aujourd'hui que je dois former dans le domaine de l'immersion afin qu'elles puissent comprendre quelle est la différence entre la théorie et la pratique. Donc comme ils sont déjà là, ils ont fait presque une séjour de 1 mois pour l'instant et nous sommes en train de continuer la formation. Aujourd'hui, on a démarré la formation sur l'utilisation des motoculteurs. Donc après les séances maintenant, on remercie vraiment l'INSERS. Je remercie aussi les étudiants qui ont fait preuve de collaboration avec mes conditions qui ne sont pas faciles. Mais quand même, ils ont fait preuve de collaboration et de discipline aussi pour travailler dans l'INSERS. C'est pour cela le travail. Pour l'instant, ça va quand même et ils s'adaptent bien. Notre journée d'aujourd'hui est tellement riche parce qu'on a acquis des connaissances qui vont nous permettre demain, quand on sort d'ici, on peut conduire, on peut l'utiliser. Ça va nous permettre aussi d'embraver des superficies qui sont très grande avec la motoculture. Ça va nous permettre aussi de réduire le temps. Et aussi, ce sont des techniques qui sont très intéressantes. Nous, on a l'habitude de faire l'agriculture, c'est-à-dire endogène, avec nos instruments, nous, surtout les Diola, le Kajando. Ça prend du temps, mais avec ce motoculture, on va accélérer. Ça va nous permettre de gagner le temps, de travailler et d'assurer beaucoup de services. On remercie notre professeur, M. Sanya, qui a bien voulu accepter nous recevoir ici chez lui. C'est à Djatok, on est ici à, on a des centaines de kilomètres de chez nous et on ne regrette pas, on n'a jamais regretté parce que chaque jour c'est une nouvelle expérience. Aujourd'hui ça l'a prouvé parce que même au champ on a commencé d'abord avec les pulvérisateurs, on a un peu commencé à traiter des cultures comme le maïs, le niébé,
Et aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, on a appris à monter et à conduire, je sais, à traiter avec l'automatisateur pour un peu gagner brécher sur l'agroéquipement en général, parce que, comme on dit, l'agriculture biologique ou l'agroécologie doit intégrer les paramètres comme les automatisateurs et les pulvérisateurs. Ainsi, aujourd'hui, on est dans cette même lancée ce soir. Il nous a appris à conduire le motoculteur qui va faciliter les travaux comme le repiquage du riz qu'on va commencer demain ou au plus tard ou après-demain. Ça va nous faciliter quand il va labourer. On va pouvoir semer avec les femmes du village. On va pouvoir semer et ça va faciliter le repiquage. Casamansa yo ya chukubechu vanu juk vanu musu juk Casamansa rokatu inyere goni mara ningo irwa utola jang irwa bija Casamansa banang bitaje Gileu 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 Gigoror 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 Heba uja Chukujak 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 aujaujak En d'autres noms, on l'appelle maltrap. Ça attrape les mouches des fruits, la mousse des fruits. Ça attrape la mousse des fruits. Et ce produit-là est très efficace. Maintenant, à chaque fois, on installe deux bouteilles. Par la suite, chaque fois, on fait une évaluation. C'est-à-dire, on compte le nombre de mousses que la maltrap a attrapé, la piège. Maintenant, nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est de venir compter les mousses qu'on a capturées pendant 24 heures. Les pièces, on les a installées depuis hier. Donc, ça, c'est avec 4 heures qu'on peut les décompter. Aujourd'hui, donc, j'ai fait le décomptage pour une première bouteille. Maintenant, j'ai capturé 54 pour la première bouteille. Maintenant, je vais essayer de voir combien j'ai capturé dans cette bouteille pour faire le décomptage de la journée d'aujourd'hui. Maintenant, après ça, on va tracer des courbes pour voir comment la mousse varie. Jaujak, 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 yo! Nira, 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 yo! Sama village, casa, boy, modak, sakon, pauli, uja, uja, panuma, buwala, rutokon, suma, si fembe, se suma, si e kurek, no pompon. Casa, mansa, yo! Permettra de savoir un peu la pression que nous avons au niveau de la citerne. En fonction de la hauteur, la pression peut augmenter. D'accord? Donc à 1 bar ou à 2 bar ou 3 bar, ça, en fonction de ça, on sera justement le débit qu'on a est bon pour l'installation du système goutte à goutte ou bien l'installation pour système aspersion ou bien micro-aspersion. Ok? C'est pour cela, à partir du manomètre, si c'est le système irrigation goutte à goutte, vous pouvez les installer soit en parallèle, soit vous allez l'installer directement, parce que si au bain vous allez l'installer par secteur, comme nous on l'a fait. Pourquoi on a installé par secteur? Parce que non seulement le fil est très petit, parce que c'est 3000 litres, c'est-à-dire 3 mètres cubes. Donc comme c'est 3 mètres cubes, si on ouvrait les 4 vannes, à moins de 15 minutes, la citerne va se vider. Et ne pourra pas irriguer correctement les plants comme il le faut.
C'est pour cela qu'on le fait en un seul par secteur. Chaque secteur, on installe une vanne. Ce qui fait qu'à partir de là, comme on n'a pas installé un système d'irrigation automatique, on a passé les moyens qui nous manquent aussi pour assister, parce que c'est un matériel qui nous pousse pour la programmation. Aussi, à coton, qui sont jetables. Comme on utilise les filtres pour filtrer l'eau et comment reste l'eau distillée. Ok? Donc, moi, je préfère utiliser cette filtre. Pourquoi? Comme si les points filtrants, ce n'est rien d'autre que c'est comme ça les tuyaux. Vous avez vu le tuyau qui est là-bas? Et il suffit juste de mettre cette couche de tissu sous forme d'acrylique, mais là, c'est sous forme de moustiquaire. Si je sens seulement ça, ça me va déjà. Contrairement les autres, avec les filtres à disque, vous allez voir souvent la saleté des fois pour entrer à l'intérieur entre les disques. Pour le nettoyer, souvent c'est dépouillé et ça booste très rapidement les goutteurs. Okay? C'est pour ça que de temps en temps, il faut nettoyer. Si vous ne nettoyez pas la filtre, à un certain moment, avec la pression qui arrive, il y aura forcément des particules qui vont passer. Forcément, parce que souvent il y a une pression qui donne. Qui fait qu'à un certain moment, si l'eau est calcaire, vous allez voir, ça booste très rapidement le système d'irrigation, surtout pour le goutte à goutte. Ce qui fait que souvent, le goutte à goutte, on vous dit que ça demande une technicité, mais c'est coûteux. D'accord? Donc c'est à vous maintenant de voir surtout les principales parties pour l'irrigation. L'entrée, la première des choses, c'est la filtre. De temps en temps, vérifier la filtre. Si elle a la filtre est sale, il faut impérativement nettoyer la filtre. Donc, à partir du réseau principal, dans le nom, si on avait installé l'injecteur d'engrais, on devait l'installer avant la filtre. Ok? Parce qu'il ne faut jamais installer un injecteur d'engrais après la filtre. Parce que même si vous utilisez les engrais peuvent être chargés. Donc c'est toujours la filtre, l'injecteur avant, après maintenant vous installez la filtre qui doit toujours filtrer tout ce qui est résidu particulier maintenant pour ne pas bloquer les gouttes. Okay. Donc ce qui fait que quand on va installer l'injecteur d'engrais, on va l'installer dans cette partie-là. Et quand ça va arriver maintenant, après maintenant vous allez voir le système, comment ça se mélange avec le fût. Maintenant, à part du réseau maintenant principal, il faut toujours que vous ayez, il faut vérifier un peu les diamètres des tuyaux. Je ne peux pas prendre un tuyau de diamètre 50 ici et de l'autre côté je prends un tuyau de diamètre 60. Donc toujours en fonction de la distance, soit je prends un diamètre 63 et je fais une réduction 63-50 ou 63-40. Et comme ça, j'aurai la pression. C'est comme SDE. Quand vous allez, les tuyaux principaux qu'ils ont installés au niveau 1, ils ont un diamètre de 100 des fois millimètres ou bien de 200 millimètres. Et après maintenant, avec les maisons, ils installent des tuyaux presque de 32 mm ou bien 25 mm. Et là, forcément, les robinets auront de là. Comme on a vu le réseau principal, et maintenant, vous avez pensé sans être installé maintenant la rampe et les départs gaines maintenant. On doit installer maintenant les gaines qui vont aller à longueur serrée. Comme les gaines sont de 50 mètres, vous allez les installer et vous les déroulez. Maintenant, en fonction de ce déroulement maintenant, c'est là-bas où vous allez repiquer maintenant l'aubergine douce et l'aubergine amère. Ok, maintenant le système pour entrer, j'ai vu, donc si je le mets comme ça, ça ne va pas entrer, même si ça entre, cela ne va pas le coincer. Donc je dois toujours desserrer ça. Ok, et je fais entrer. Ok, après maintenant il faut serrer. C'est bon, il faut bien serrer. C'est pour cela, si vous ne serrez pas bien, souvent il y a des fuites, ce qui fait souvent des succions. Quand vous allez voir dans certaines installations, vous allez voir souvent des succions. L'eau va succionner, donc parce que c'est pas bien serré. Ok? Et si maintenant vous serrez bien, après maintenant vous déroulez. Évitez que les goutteurs soient à l'extérieur. Il faut toujours les goutteurs qui soient à l'intérieur, à la face inférieure. D'accord? Avant d'introduire, vous avez vu là où j'ai introduit. Maintenant je vais éviter à ce que quand je vais installer et que les goutteurs se met à l'extérieur. Si les gouttes se mettent à l'extérieur, ça va donner, mais souvent ça attire les pigeons, les oiseaux qui vont sentir. Même si une seule goutte qui est là, l'oiseau va sentir cette eau-là, il va voir cette eau-là. Après, maintenant, il va venir picorer. Et c'est souvent ce qui amène les problèmes avec les ronceaux. C'est bon? Ok. Maintenant, j'allais continuer. Jolujal Kaza, Jolujuk Kaza. Jolujal Kaza, Jolujuk Kaza.
Gaza man sayo ya juk be juk banu juk wanu musu juk Gaza man sayo yo ye Gaza di monsa etam ya di komonsa Gaza man sayo ya juk be juk banu juk wanu musu juk Gaza man sproka ku inyere regoni mbara ningo irwa utola jang irwa bidang esu kusanu manko yo Gaza man sa jakum pukanu babe koy loboli massa Son ruska kanum yo ingeni keti mansa Jolu juke sugum banu mirwani kumansa Uno kello ja kep banu juk ube kellao Kumanga tep uli babe bajute lao Rifu men tep mante farifuna Maila jabar mailo ker shenu sa bien du ker Nun wa kaza nun yuma sa moi deranga Komon te joge bo yek se nyu terala Wali ko bu nya eyo Donc nous on va installer. Après avoir repiqué tous ces plants d'aubergine, on va prendre la moitié qu'on va faire installer comment dresse le système microdose et l'autre moitié, le producteur doit faire toujours les activités ce dont il a toujours voulu. C'est là, le producteur a toujours l'habitude d'épandre l'engrais à la volée, il doit le faire. Mais après maintenant les résultats, on verra en termes d'économie des temps, en termes d'économie financière, d'engrais ainsi de suite, là ça se compare pour voir quel est le système le plus rentable. C'est bon? Maintenant, pour repiquer, il faut toujours vérifier le collet. Vous avez vu, il y a une différence de couleur entre ici et la tige de la plante. Vous avez vu? Donc moi, je ne dois pas dépasser ce stade-là. Ok? C'est ce qui fait que souvent les gens échouent au niveau du repiquage. Vous vérifiez, il y a toujours une différence de couleur. C'est ça qui détermine le collet de la plante. Si vous dépassez ce collet-là, il y a des plantes qui ne pourront pas résister parce que vous allez asphyxier la plante. C'est comme si quelqu'un à qui on a... Poignardé. Non. Comment on dit? Égorgé. Quelqu'un à qui on a tué, on a pris au niveau de la gorge. Étranglé. Ok? Quand vous l'étranglez, on sait même au début il va résister parce qu'il a de la force. Et à un certain moment, il ne pourra pas résister. À force de continuer, c'est la même chose que la plante. Si vous dépassez, au premier moment, vous allez voir, la plante va résister. Mais à un certain moment, la plante ne va pas résister, ça va mourir. Ce qui fait qu'au moment de repiquer, il faut vérifier le collet. La deuxième des choses, c'est la racine principale. C'est pour cela qu'on utilise toujours les plantoirs. Un plantoir, c'est souvent, ici, c'est presque aiguisé. C'est souvent bon homme. C'est pour cela que quand on le plante, on le fonce, ça va aller de profondeur. Et quand vous mettez la racine principale, ne va jamais se plier. Si vous repiquez et que la racine principale se replie, ça va comme vous n'êtes. La plante va être sétif. Quels que soient les besoins, ça va se stresser très rapidement. Et même la production ne sera pas comme bonne. Ok? C'est pour ça qu'il faut veiller à ça. D'accord? C'est ici. Non, comme ça, c'est le premier plan. Non, comme c'est le premier plan. Aussi, on peut réduire là. Okay. Ouais. On peut réduire la racine. Principale. Ouais. On peut le réduire. Mais souvent, vous savez, quand vous réduisez, si c'était avec, comment dire, au système d'alvéole, parce que ça, avec les mottes, là, c'est beaucoup plus accentué, vous n'allez pas avoir la racine principale. Mais souvent, la plante, si vous diminuez la racine principale, c'est juste son développement. C'est pour cela, quand on avait déterré les plantes de grume la fois passée, pour aller planter les racines, on a préféré avoir des racines pivotantes qui est beaucoup plus longue. Et là, c'est même si vous le repiquez ou bien vous le plantez, la plante va prendre rapidement, même plus que les plantes avec les gaines. Ça, c'est que, en tant que technicien, les gens vont dire qu'il y a souvent une différence. Mais si vous jouez sur la longueur de la racine principale, vous allez voir la plante va prendre très vite. Même si c'est enraciné. C'est bon? Voilà. Donc, et là, si maintenant, on a enlevé aujourd'hui, on est en train de transplanter parce que c'est là-bas au niveau de la pépinière. On le transplante ici. Si maintenant on repique aujourd'hui et on ne termine pas, on doit les faire pousser ou bien on les jose quelque part. C'est-à-dire creuser quelque part, on les met tout et on ferme, on arrose. Et la sève ne descend pas. Au cas contraire, il faut les coucher. Si vous les couchez comme ça, la sève ne va jamais descendre. Maintenant, si vous les mettez dans le sens, la sève va descendre et ça va créer le stress. C'est bon? Vous avez vu? Ok?
quantité vous avez déjà de bismillah. Déjà de bismillah. Non, j'ai pas encore terminé. Là, c'est juste, ils sont en train d'apprendre. Et maintenant, pas de là. Vous savez, ce qu'il faut éviter, c'est de repiquer des ans juste au niveau de la gaine. Ok? Toujours, il faut laisser l'écart de 5 cm, voire 10 cm entre la gaine. Parce que si vous repiquez, il y a trop d'humidité, ça crée souvent les problèmes fongiques. Ça peut asphyxier même la plante. Tirez le ruban métrique d'abord. Il y a quelqu'un qui va tirer le ruban métrique de l'autre côté. L'autre va pouvoir compter, matérialiser. Ok? D'autres amènent les plans. Fulano paka uzonde palmier, giragon kaluna ifoni bulu bekasa. Ici on chasse les animaux par catégorie. Ting si compassas, le tujuk, catégorie. Utokon si porokas, bachamut, catégorie. Bolien boli barenye tu, bao bao. Nukolien koli jonye da tu, bao bao. Bolien boli ledis lupa se tu, bao bao.